exprimer ma satisfaction parce que depuis l'instruction ici en 2010, je me suis battu avec mon collectif d'avocats à défendre que ce sont des crimes contre l'humanité. Si pendant 3 jours la question a été débattue, moi c'est une satisfaction morale. Et la question a été débattue sans incident. La défense de la partie civile et du parquet. J'avais suivi la nature des débats, les questions. La question d'entrée en vigueur des traités. Donc, si aujourd'hui, le tribunal décide de joindre la question de requalification au fond, pour nous, c'est un grand pas, c'est une grande satisfaction parce que la question n'a pas été rejetée. Et c'est une bonne décision en disant qu'il va se prononcer sur la requalification lorsqu'il va s'en rendre une décision au fond. Donc, je saisis encore cette occasion pour dire que la Guinée est en train de jouer une grande partition dans la justice concernant les crimes internationaux, parce que la Guinée est en train de faire ce qu'on appelle la complémentarité, parce que la priorité est donnée aux juridictions nationales pour juger les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Merci.